Dans un instant, un... La propagande américaine dans la France des années 50, un doc et un débat animé par Laurent Geoffrin. Sur France 5. Chérie, ils ont pas changé de voiture, les voisins? Ben non, un Opel Zafira et un Opel Agila. Mais si! Hier, il y avait 7 sièges dans la grande et maintenant, il y en a plus que 3. Et puis dans la petite, il y avait 4 sièges et maintenant, il y en a plus que 2. Mais non, chérie, c'est comme dans notre Meriva. On peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois, c'est très simple. Ah, vous avez changé de voiture? Oui, on... Non, on n'a pas changé de voiture. Ah non, non. Ah bon? On n'a pas changé de voiture? Non. Toute la flexibilité de l'Opel Meriva est maintenant disponible en diesel Common Rail. Ah ben oui. Claire vient de créer son entreprise. Elle va vite se rendre compte que dans la vie, on ne peut pas toujours compter sur tout le monde. J'y vais. Heureusement, pour son entreprise, elle sait qu'elle peut compter sur la Banque Populaire, comme un créateur d'entreprise sur quatre en France. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Mulhouse, les boules. Par combien de temps, t'as Julie? Bah 6 mois au moins. On s'en occupait tout de suite, mon chéri. 10-14. Allô? Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez bien un forfait pour Mulhouse? Parce que c'est mon petit garçon. Maman. Quoi? Salut. Alors, ta journée avec le nouveau du rez-de-chaussée? Je suis amoureuse. Attendez, votre forfait, il marche aussi en local? Oui. Bah tant mieux. Non, tant mieux. À partir de 3,99€, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Salut, c'est Jean. Alors, pour le crédit auto à 3,60, merci à vous deux. Allô, c'est nous. Ben, merci Rémi pour l'auto. C'est Carole aussi. Merci pour l'auto. Non, vas-y, vous raccroche. Allô, Rémi, Carole. Oh, je vous remercie pour le taux à 3,60. Je vous rappelle, hein. J'ai acheté la voiture. Choupette, c'est Boubou. Pour tantôt, là, machin, c'est bon. Carole, le crédit auto à 3,60, ça se termine quand? Le 5 novembre. Demain. Eh, Boula, craignez rien, c'est pour votre bien. Il s'agit juste de vous déplacer vers une nouvelle réserve super géante. Cool, non? Enfin, ça sera mieux après. Détail des opérations, demain à 19h sur Arte. Visionner le cœur de la matière, filmer le génome, faire dialoguer les neurones, mettre en scène le spectacle de la vie. Parce que l'image fait avancer la science, cette semaine la science fait son cinéma en 5 épisodes. Venez voir. Images et sciences, de lundi à vendredi à 11h-20. Et c'est sur France 5. Les vieux ne parlent plus. Jules, Germaine, comme de nombreuses personnes âgées, sont à l'hôpital. Ils ont besoin de fauteuils roulants, d'ateliers de loisirs et de bien plus. Du 3 au 31 octobre 2003, il faut donner plus aux personnes âgées hospitalisées. Retirez un bulletin de soutien dans votre bureau de poste ou envoyez vos dons à Opération Plus de Vie, 13 rue Scipion, 75 005, Paris. Quelqu'un dans l'eau. Je comprends maintenant pourquoi ma machine ne résiste pas.
Sans parler de mon linge. Y a pas de secret. Pour lutter contre les dégâts du calcaire, prenez Calgon Aquapro à chaque lavage. Seul Calgon Aquapro avec sa bille unique vous offre la meilleure protection pour votre machine et votre linge. C'est pas un peu cher? Et votre machine et votre linge? Franchement, vous y gagnez. C'est sûr, avec tout ce calcaire. Hein. Linge et machine durent plus longtemps avec Calgon. Cet homme est très exigeant. Son nouvel Extreme 3 rechargeable, 3 lames avec plaquettes lubrifiantes et micro-guide, vraiment flexible, épouse plus facilement toutes les courbes du visage. C'est le choix performance d'Agassi, enfin pour tous. Extreme 3, le 3 lames rechargeable par Wilkinson. Une famille utilise ses toilettes en moyenne 15 fois par jour. Pour les garder propres et fraîches, il y a Canard WC Triple Action. Il nettoie, prévient la formation du tartre et parfume à chaque chasse. Le nettoyage de vos toilettes, Canard le fait pour vous. Canard WC Triple Action, encore une victoire de Canard. Et nouveau, Canard WC Ultra Gel, ultra adhérent. Pour laver la laine en douceur et en toute simplicité, il y a maintenant le nouveau Skiplaine Machine. Pour un lavage en machine, doux comme un lavage à la main. Skiplaine, la douceur en machine. Ce fut une grande bataille médiatique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique, qui a vaincu le nazisme, se retrouve face à son nouvel ennemi, le communisme. L'URSS contrôle la moitié de l'Europe et elle menace de prendre le contrôle de l'autre moitié si les peuples de l'Ouest succombent à son attraction. Et pour éviter ça, il ne suffit pas de déployer des soldats, d'envoyer des dollars, il faut aussi conquérir les esprits. Et cette mission a été assignée au cinéma, et notamment aux actualités filmées que les États-Unis ont exportées pendant toutes les années 50 en Europe pour convaincre les citoyens européens de l'excellence de son modèle politique et social. Et ce sont ces films qui sont aujourd'hui la matière de ce numéro des Repères de l'Histoire. Nous allons voir donc notre film qui retrace cet immense effort de propagande, mais qui donne aussi une image assez saisissante de ce qu'était l'Amérique de la guerre froide, un pays... comment dit-on, sûr de lui et dominateur, en tout cas optimiste et plein d'énergie. Et ensuite, nous en parlerons avec deux spécialistes de la guerre froide et de l'Amérique. Mais auparavant, nous allons nous tourner, comme chaque semaine, vers Jean-Michel Gaillard, qui va nous situer le contexte de ce film. Alors, Jean-Michel, si on a fait autant d'efforts à l'époque, si les États-Unis ont déployé autant d'efforts pour convaincre les Européens, et notamment les Français, c'est qu'il y avait une sorte d'anti-américanisme, malgré le rôle que les Américains avaient joué dans la libération du territoire national. Alors, pourquoi les Français étaient aussi anti-américains ? En effet, c'est d'abord un... C'est contemporain, ça aussi, en même temps. Oui, tout à fait. Mais c'est un énorme paradoxe, puisque nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, les Américains ont débarqué, ils ont libéré la France. Et pourtant, il y a un anti-américanisme en France qui est considérable. Il est né dans les années 20-30, mais c'était un anti-américanisme plutôt d'intellectuel. Après la guerre, il devient un anti-américanisme de masse. Quels en sont ses vecteurs ? Bah d'abord, évidemment, le Parti communiste français. Il s'aligne sur Moscou dans la guerre froide. Il est donc anti-américain. Il ne faut pas oublier qu'aux élections de juin 1951, par exemple, le PCF faisait 26% des suffrages dans notre pays. Puis il y a les compagnons de route du PCF, l'Union progressiste. Mais là-dedans, il y a Emmanuel Dastier, le fondateur de Libération, un grand mouvement de résistance. Il y a Pierre Cotte, l'ancien ministre radical du Front populaire, plein d'autres. Et puis, ce que l'on oublie trop souvent, c'est que même chez les socialistes, considéré comme atlantiste à la SFIO, il y a une forte minorité qui est très anti-américaine. Ça, c'est pour la gauche. Mais il y a aussi la droite. Les gaullistes sont anti-américains pour d'autres raisons, naturellement, que les communistes. Mais les gaullistes, le RPF, c'est aussi 22% des voix encore aux élections de juin 1951. Donc la bataille de l'opinion, elle est loin d'être gagnée. Il y a un anti-américanisme très fort. Et par exemple, lorsqu'au début des années 50, ça peut paraître surprenant, on interroge les Français, on leur dit « S'il y a une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique, qu'est-ce que vous prenez ?» Eh bien, 45% d'entre eux disent « Ou il faut qu'on reste neutre. » 36% veulent aller avec les États-Unis, 4% avec l'Union soviétique. Donc ça montre que cette bataille de l'opinion, elle est loin d'être gagnée. Mais alors,
Y a la bataille d'opinion était sous-tendue par une aide économique massive, quand même, parce que c'est les mots, c'est très bien, mais les espèces trébuchantes, c'est bien aussi. Est-ce que, donc c'était le plan Marshall hein, qui a aidé, que Staline a refusé, mais que l'Europe de l'Ouest a accueilli, finalement. Est-ce que ça a été un vecteur important du développement français, ou bien est-ce que c'est un mythe, finalement, ça joue un rôle marginal dans le relèvement de l'Europe de l'Ouest? Alors justement, les Américains, ils ont aussi ce sentiment d'ingratitude vis-à-vis des Français, parce qu'ils se disent, mais quand même, on les aide énormément. Et de fait, le plan Marshall, bah, ça a été un élément clé de la modernisation et du redéploiement de l'économie française après la guerre. Alors c'est pas rien, donnons quelques chiffres. 3 milliards de dollars qui arrivent en France entre 48 et 52. Ça fait quoi? Ça fait 20% de la totalité de l'aide américaine à l'Europe de l'Ouest. C'est un peu moins que la Grande-Bretagne. Verstärkt war und trotzdem konnte der